Voilà. Je pense qu'on peut passer cette scène car on la reverra après. Il y a bien longtemps, la guerre des reines réduisit le monde en ruine. 1000 ans ont passé, le fer, la poudre et les machines à vapeur ont été redécouverts et la haute technologie règne. Certains voudraient servir le monde en faisant renaître la terrible force destructrice connue sous le nom de magie. Ah là, il y a un petit bonhomme qui parle, je sais pas qui c'est. Au début, je pensais que c'était le méchant, mais non. Et merci, Lichou, pour le follow. On voit que ça marche très bien. Alors, est-il possible que ceux qui sont au pouvoir soient sur le point de répéter une erreur insensée et meurtrière? Est-ce que le son n'est pas trop fort? On pourra peut-être le baisser un peu. On va le baisser un peu tout de suite avant. Ah bah il est déjà... Ah non, il est là. C'est celui-ci. Et salut Mugi. Je vais mettre à 12. Le voilà, enfin, Evolve 6. Donc la version Super Nintendo. Tu n'es pas si vilaine que ça. Voilà la ville. Difficile de croire qu'un espère y était retrouvé intact 1000 ans après la guerre des reines Magie. Je pense que c'est Magie, hein, pas Magie. Hein. Le son, oui, est meilleur que la version Advent. Après, niveau de la hauteur, peut-être que je mettrai plus fort après. Cette sorcière, pourquoi est-elle là? On entend dire qu'elle a grillé 5 ans de nos soldats en armure magitée en moins de 3 minutes. Un petit peu balèze la sorcière. La couronne de servilité qui est sur sa tête lui retire toute pensée. Elle suivra nos ordres. Pratique. En route. Ville au fond de la mine. Les fameux. Ah, cette qualité. Le mecha. Alors, je ne les connais que de nom Biggs et Wage. Eh, on a un peu plus des jeux comme ça. Alors, pour éviter les coupures, je vais regarder Twitter sur mon portable. Et ouais, Nouveau était déjà là. Toujours, elle a toujours été là de toute façon. Alors, est-ce que c'est le début de l'utilisation des armures et de tout ce qui est... poudre à canon, tout ça. Parce que j'ai pas fait les tout premiers. Mais à quel moment on a retiré une grosse partie de la magie? J'ai fait le 3. Mais y a pas trop de méca. À part les moyens de locomotion.
Nous allons passer en tente. Ça ne sert à rien de prendre de risques. Allez, avance. La poudre. Est-ce qu'on peut partir? Ah non, on se fait engueuler. L'espeur doit être à l'intérieur. En avant. Alors, qu'est-ce qu'un espeur? Nous allons le découvrir. Ordure de pilote d'engin. Enfoiré présomptueux, prenez ça. On se fait agresser littéralement par un chien. Un chien loup. Très bien. Faisons un rayon feu sur le chien loup et un rayon jet. Il prend 296 points de dégâts. C'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas. Esper fantôme. Bien sûr, moi je prends pas le bon chemin, c'est trop simple. Donc on peut pas passer par là parce qu'on est trop gros. Les gardes, on se fait engueuler par les gardes. Du coup, on se fait agresser par deux gardes. Ils ont l'air de vivre dans le désert, mais la neige. Confuseur, qu'est-ce que c'est? Je crois pas qu'on ait le temps de voir. Ouais, on a compris que il n'y avait plus de magie suite. À la guerre. Ah, j'aimerais bien. J'aurais dû faire ça avant. On va aller tout droit. Ah non, c'est pas agressé par la droite. La liberté de Narche repose sur nous. Ça doit être la ville, du coup. Attaque pas tous en même temps. Ah, la force soin. Alors, ça fait quoi, confuseur? Attaque de zone. Et salut, Naru. Oui, c'est la version Super Nintendo. Car la version Advance, c'est un son qui grésillait énormément. Alors confuseur, ça a dû les rendre confus, donc ils se tapent dessus. Ça s'approche vachement pour tirer. Ouais, je ne dois pas avoir le... Empoisonné, ça. Ah, le prochain Final Fantasy qu'on fera en live, je pense que ce sera le 15. Ah, ça level up en tout cas. J'espère pas qu'il y a quelque chose à faire. On les a coincés. Ah, pris un sandwich. Ok les gars, on est pris un sandwich. Eh bien, à moins que Crystal Chronicles sorte avant, sinon, si, faut refaire le 10.
Est-ce qu'on fait le 10 une fois par an? Je pense que c'est possible. On va aller tout droit. Hein. J'ai l'impression qu'on sort de la ville. Est-ce une bonne idée? Je ne crois pas. Ah si, on doit aller dans les mines. Donc c'est bien par ici. Eh merci, Moogie. Je travaille dur. Il s'appelle comment? Le vilain mammouth? Le vilain mammouth. Bien sûr. F15, le meilleur. Pour 20 de délicieux repas. Mais il a plus de vie, l'autre. Est-ce qu'on peut se heal Au moins, on reçoit des jeux. Et on a plus de mana. Vous voulez pas faire du camping simulateur? L'esper gelé a été trouvé dans un nouveau puits de mine, peut-être celui-ci. Après, sauf si je trouve le 12 en version remaster, hein, je veux bien le faire aussi. Ah, les fameux ragarous! Avec des talons aiguilles! Très bien, F12. Moi, je suis bien aimé. Hein. Ça brille! Je pense que... Une lumière merveilleuse t'entoure! Tu as des informations sur le point de sauvegarde? Allez! Tu peux utiliser un sac de couchage ou une tente. Mais si sauvegarde ta partie de opérer, tu pourras automatiquement jouer à partir de ta dernière sauvegarde. Même si tu as retrouvé les gistres, etc. Tu as trouvé ton niveau et ton expérience en cours de conserver. Sauvegardons. En espérant que ça fonctionne. On va aller tout droit. Hein. Je pense que... Eh, c'est pas pareil. Ah si. Je suis pas allé trop vite. Ah non, je crois qu'il faisait de la musique. Biggs, il va tout casser. Il a foncé dedans. Regarde. Non, 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 ne mets pas la main sur l'esper. Bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça? Un instant. À l'automne de notre briefing. Bien sûr. Un monstre qui mange les éclairs. Stocke l'énergie dans ce coquin. Bah, il suffit de pas faire l'électricité. On se là. Thank you.
Kane, c'est point de vie par Kane, hein. Ça, j'en apprécie Kane. Ah non, on a attaqué sa coquille. Salut Tindy. Et ben faut que je trouve le 12 en version PS4. Faut que je regarde là sur sur Amazon, il est peut-être en réduc. Et salut Esdo. Installe-toi je t'en prie. Merci Mungi pour le la pub. Et merci SDO Heim pour le follow. C'est bon, il est revenu. Il fait des trucs, je comprends pas trop. Ouais, mais j'aime avoir les boîtes de Tardis. Je l'ai sur PS2, hein. Mais quitte à le faire en entier, autant. Graou! Oh là là, il a disparu. Autant le faire sur PS4. Non. Ça marche ou pas? La bobette. Attends, la bobette. Ça fait quoi un tonique? Graou, il va revenir. Graou, ça va durer combien de temps? Oui, découvert du jeu. Peut-être pas le faire à 100%. Hein. Le tonique, ça sert à faire revenir à la vue ou pas? On teste. Allez. Pas du tout. J'aime pas du tout Dragon Quest. Allez, fais Graou! Ah bah non, du coup, bah, taper sa coquille quand même! Cliquer trop vite! Il était pas sélectionnable! Non, attends, je te tape avant! C'est un mot en premier boss. Ah, ça va, 102 heures. Un vrai RPG, quoi. On va patienter un peu. Ah là là, là. Je te soucie, mon chien. Je mets une follow aussi. Ah, le 11 et le 14, ils n'existent pas vraiment. On brille, je sais pas pourquoi.
ça brille, c'est qu'il est mort. C'est comme ça les vrais boss. Ça fait des crises d'épilepsie quand sa mère ne veut t'emporter avec lui. Ouais, on a une potion. Est-ce qu'elle revient à la vie? Comment on fait pour la... Ouais, ça rend 50 points de vie. Tant pis. Des vaporites. Moi je fais que du feu, hein. Comme ça, pas de soucis. Ça marche toujours. Attends, on vient de commencer le jeu. Comment je fais pour la faire revenir à la vie? Si je veux au point qui brille, ça marche pas. Faut une tente. Je peux passer, c'est pas vraiment... Aha! Le Esper! C'est pas une chimère de type canard artichaut. Non, faut que j'en fasse Tale of Symphonia. Mais qu'est-ce qui se passe? Sais-tu quelque chose que nous ne savons pas? La créature congelée a commencé à mettre une lumière surnaturelle. C'est incroyable! Mais d'où vient cette lumière, hein? Mort! Mais je l'ai, Naru, mais faut que je le recommence sur PC. Nous, il est déjà fini au moins 6 fois. Donc... Faut que je refasse. Ah, il a mal été. J'ai mal coupé l'overlay du coup. Parce que j'avais préparé l'autre version. Je regarde après. Grosse fan. Du coup, on peut supprimer celui-ci. Attends, j'aimerais bien avoir une image pour le mettre bien. Ouais, en effet, il manque un bout. Alors, hop. Ah oui, en effet, il manquait pas mal de choses. Comme ça, ça m'a l'air bon. On verra à la prochaine image pleine. Ainsi, il y a taille. Non, je dors. Ah ouais, il manque une grosse partie. Ah non, je dors. Y'a quelqu'un? Non, je dors. C'est qui? Où suis-je? Wouah, je vais tout juste enlever la couronne. Mal tête. Elle vomit, elle vomit. Et du coup, il s'enfuit. Et tu pues. La couronne de servilité. Je me souviens de rien. T'inquiète pas, ça te reviendra dans quelques temps, bien sûr. Si tu le veux vraiment. La peau, mystère jeune femme contrôlée par l'Empire, est née avec le don de la magie. Est-ce qu'on garde les noms originaux? Ou est-ce que vous voulez votre propre nom? Je pense que les noms originaux sont très bien. Ouais. On est d'accord. On a Tira. Impressionnant, j'ai jamais entendu parler quelqu'un récupérer si vite.
parler de quelqu'un qui récupère si vite. Ah non, on s'en fout. Voilà. On est les méchants, on n'est pas contents. Rendez-nous la fille. Jamais. Où est cette porte? Va te cacher dans l'armure. Je te fais d'ici, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Passe par la fenêtre. Non, je préfère récupérer l'armure. Vous passez dans l'horloge. Ouais, on a un élixir. Ta-ta-ta-ta. Faut toujours fouiller, même dans les flammes. Passe pas à la limite pour sortir, je vais m'occuper des brutes. D'accord, on est sur un petit pont. Elle est là-haut! Oh, m'arrête pas! Et là, tu sautes. Non, je crois. On passe par où? On passe par là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Partout! On clique partout, il y a peut-être des objets cachés. Ah, mon dieu, un combat, comment je fais? Hein. Que j'ai comme attaque. Ah, elle a quand même une petite épée. Mécano. À peine flippant, le mec. Il n'est pas mort. Il a plus de 30 points de vie. On a au moins 61. 54 gils de vue de la richesse. On va sauvegarder, hein. Ah ah, un coffre. Un duvet phénix. Mais qu'est-ce que c'est? Restez les PV à 50%. 60%. Annule les blessés. Je sais pas lire, hein. Pouf. Un ragarou. Qu'est-ce qu'on a en magie? On a du feu. On la voit, elle fait maman, maman. Peut-être qu'un coup de couteau, ça suffit contre des rats. Du coup, ça va là, l'image, il manque pas de... Voilà, level up! Ça a l'air d'être bon. On va brûler le mécano. Je sais pas ce qu'elle répète, hein. Ah ça, qui a fait les traits des jeux d'il y a 20 ans? Je préfère pas savoir. Ah, ça, couchage. Et vite, il faut s'enfuir. J'adore ce son. Ah ah, 35, ça tue. Sac de couchage? Non, non, sac couchage. Sac couchage. Cours, Terra. Oh, elle est tellement grosse, ça fait un trou. Morte! Allez, game over.
Ah non, ça va. À cette heure, je suis. Hein. Ah, elle est tombée dans les pommes. La pauvre. Un petit sucre d'orge magique. Avec cette couronne, je vais quasiment te posséder. Ah là là, elle a ratouillé, lui. Ça doit être le héros. Non, je connais lui. Le clown malicieux. Ça, c'est du souvenir. C'est flamme ou pas là rien? Je crois pas. Nous sommes à deux doigts d'une avancée majeure. Dans les jours à venir, nous allons être témoins de la... Lala. Renaissance de la magie. C'est notre destinée, uniquement notre destinée, de prendre cette forme mystique et de clamer qu'elle est légitimement nôtre. C'est comme ça que de toute façon ça devient légitime, hein, en la prenant. Avec notre puissance nouvelle établie, rien ne pourra plus nous résister. Hurrah! Longue vie à l'empereur. Justin. Légitime preneur de choses. Les bons rois. Les bons empereurs. C'est beau la dictature. Mais tu fais quoi chez moi, toi? Il t'a fallu bien longtemps. Quand on va marcher du vol et du piège? Chercheur de trésor exploité à la recherche de reliques du passé. On peut l'appeler Billy, on va. Ah, cette tête. Ouais, aussi légitime que son grève. Loca. Non. On va pas te supprimer. Loca. Je reviens en recherche de trésor. Pouah, je ne m'absurde. Il y a une énorme différence. Enfin bon, c'est toi qui m'a fait appeler. Une fille que j'aimerais que tu rencontres. Cette sorcière impériale. J'espère que ce n'est pas elle. Trop impériale la poursuit en ce moment même. Une vie n'est pas de taille à lutter contre l'Empire. Notre indépendance ne peut être assurée que si nous joignons nos forces avec celle des reverseurs. Des reverseurs. Des reverseurs. Un groupe secret de résistance. Tuffy n'est pas responsable de ces actes. Nous devons lui faire comprendre notre dilemme. Regarde, je fais en sorte de l'aider. Toi, elle est facile à convaincre. En effet, commence par la Figaro. Et par le roi. Pendant ce temps-là... Allez, elle a réussi à la trouver, quoi. Ah d'accord. On fait tout le tour. Cette fois on te tient. Il y a du monde. On joue à cache-cache. Il y a toute une armée. Peut-être la réveiller, non? Kapow! Mais ça va, nous aussi on a une armée. Un beau girl. Utilise-nous pour sauver le terrain des gardes. Vous avez plus d'informations? Allez, hein. Par contre, on utilise trois groupes différents. Passe le bouton Y pour passer d'un groupe à l'autre. Ton travail est d'éliminer le commandant des gardes avant que ces hommes atteignent le terrain. Ça va là, sinon. Sinon, vous faites barrière juste devant elle, non? Ok.
Je connais la stratégie, hein. Je joue à Fire Emblem. Il va passer à la droite. D'ailleurs, il y a des gens qui précommandent... Ah! Des gens qui précommandent Fire Emblem dans l'assemblée. Attaque, Koopao! Fais attention, Cucu a pas trop de vie. Hein. C'est vraiment un mug. Il a l'air vraiment bien. Ah là, on a maîtrisé une nouvelle danse. On a une potion. Et des girls. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Jamais je, Mugi. Je streamerai en 2022. Blizzard! Ah! Avec Cupek, Cupop et Cumame. Un jour je le lèverai. À qui le tour? Ah là, il y a Kurin! Il y a Kamog. Kamog, il se bat avec un boomerang. C'est beau. Là qui peut voler ce qu'on vole, allez. Un tonique. Mog dans l'âme, hein, faut que je mette un mog là. Attendez. Aide-nous. C'est trop bien les mots, girl. Attends! Trop fort. Encore les ennemis? Est-ce que c'est le dernier? Bah là aussi ils sont un peu obèses hein. On mange bien à la cantine quoi. Ils ont une très bonne cantine. Est-ce qu'on a eu tout le monde? Il reste plus que le général adjoint. Ouais. J'ai vaincu ton armée. On va le voler. Le marshal. Ouh, une petite dague. Petit coup de fouet, il est mort. Petit coup de lance, il est mort. Allez. Non, coup ma main. J'étais pas prête. Tue-le. On a pas bien marché. Non. Anéanti. Nul. Je suis revenu là. Ah la loose. J'ai pas assez de potions.
Oh là là. Et c'est Tim qui l'aura. Allez les gars, on rush. Sérieux, y'a un mug killer. C'est mug, non? Je peux faire que attaque. On va rush. Tous sur lui! Attendez, Mog, il a la transe. Regardez, il devient violet. Il va exploser. Si on tape vite, c'est bon, il a un point de vie. On peut l'avoir avec cette team. Mog, faut faire quelque chose. Ouais! Mog, c'est meilleur. Du coup, le Mog Healer, il doit être dans la dernière team. Et c'est QQ. Et les trucs cute. Incroyable. Merci, mon girl. On est peut-être envers vous. Même deux. Hop, il l'a mis dans sa poche. Regardez comment il court trop vite. Un vrai voleur. Un vrai chercheur de trésors. Pardon. Il est fatigué. Et plus qu'un point de vie. Je crois que ce bouton va... pratique. Ah, ça l'a réveillé. Et tu es toujours parmi nous. Tu m'as sauvé. Quatre, merci pas pour les Moogirls. Oh, je peux me sauver à l'arrière à présent au passé. Tiens, musique. Elle m'a dit que ma mère reviendrait. Mais suis le temps, t'as ce qui a arrêté avec moi. Genre de mes paroles. Je ne te quitterai pas tant que ta mémoire ne sera pas revenue. En fait, ton trésor secret pourrait être utile un jour. N'oublie pas. N'oublie pas, un jour on reviendra et il faudra que tu passes par là. Ce genre de bail. Et si on allait à l'auberge? Non, il faut quitter la ville. Je sais pas. Quoi? Qui pouvez-vous être? C'est la galère, nous devons nous hâter en direction de Figaro. Ok. C'est cool. Tu nous vends des choses, toi? Une tête de chasse pour les débutants. Ici, nous répondons à toutes tes questions sur le monde. Considère-nous comme tes conseillers. Vendez des potions! La salle de classe! Vous dites tous la même chose? C'est de l'eau de la source de guérison. C'est bon, on peut partir à l'aventure. Oh, attendez, on va voir s'il nous raconte des choses. Ok. Le mode attente. Très bien. Donc, du coup, ça c'est bon. On peut pas en mettre dans une... on n'a pas de flocons. Les flacons. Alors, on est là. Faut trouver Figaro. Au sud. Ça va, on a des grandes jambes. Un salapin. Je vais dire sopalin. Je sais pas ce que c'était comme bête. Je crois que c'est un lapin sur une salade. Ouais, je sais. Je sais pas aller où la musique de la map. Faut peut-être arriver à Figaro pour qu'elle soit activée. Ils sont résistants les salapins.
Et sale lapin. Il fallait mettre deux L. Un petit point, ça doit être ici au milieu du désert. C'est super vide. Attends! Ah, c'est toi! Passe. Heureusement que c'était nous. Nous voulons voir le roi! C'est toujours tout droit, de toute façon. C'est pas compliqué. La la la! Ah, on s'assoit. Alors, comment ça va? Devenir 7 jeunes femmes! Ok. Moi, j'accepte. Salut, Ed. Pour qui devrais-tu? Oh, désolé. Je suis un bourreau des cœurs et vous le savez pas encore. Quelle grossièreté de ma part tourner toi une demoiselle. Brille des dents un peu. Le jeune roi du château du Gros, allié de l'empereur, est un grand concepteur de machines. Il s'appelle Edgar. C'est la version NES. Je suis Nintendo. Pardon. Monsieur Edgar, roi du Figaro. Surprise que quelqu'un comme moi connaisse un roi. À la prochaine. J'espère. Ok, c'est cool. Négo, docteur, pourquoi m'aides-tu? C'est à cause de mes capacités. Non, non, non. Tout d'abord, ta beauté m'a charmé. J'ai même envie de savoir si je suis ton genre. Je pense que ta capacité pourrait être une troisième raison. Ouais, bien. Ouais, et du coup, je sais pas pour les sons. On pourrait pas le dire. Je suppose que ma technique commence à être un peu dépassée. Elle se sent pas normale. Assieds-toi sur le trône, ma biche, ça va aller mieux. Ça va juste se retourner. Je peux pas faire genre que je suis sur le trône. Visiter un peu, peut-être des choses à découvrir, hein. Comme des coffres. Pour trouver des duvets phénix. Un tonique, un antidote. Un vieux. C'est quoi? Ah, je l'ai. Si Mookie, tu veux un Mookie, tu veux un duvet phénix. Belle cape. Une épine d'or. Ils vendent de la teinture. Attends, attends. Balabala. Une tente. Non, c'est ton stock. Bon, au moins on a trouvé les vendeurs de trésors. Et toi là? Ça va pas aller, mais ce jeton incorpore certains des équipements les plus high-tech, comme par exemple. Ah, c'est tout, c'est top secret. Ah là, ils veulent pas dire qu'ils sont à la 4K.
La bibliothèque. Apprends des sorts, ma biche. Il y a longtemps, le pharaon s'appelait magie existait. Les gens qui faisaient de la magie étaient appelés les chevaliers mages. Les savants du monde entier font les recherches en magie. Ce sont des ânes, les savants. Ils sont forts, ces ânes. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a l'extérieur avec du sable. Non? Je vais faire le tour. Attends! Ah, c'est toi! Le sous-sol 1. Plus loin, ça c'est les machines. Ils sont prêts à partir, on a rien de temps. Et dangereux! Ah, pardon, papy. Où je vais visiter, apprendre des choses. Sous-sol 1. Qu'est-ce qu'il fait le mec à gauche? Il saute? Il fait des ponts? Quelque chose maintenant? Laissons-les dans leur cellule. Besoin de repos? Allez! J'aurais dû parler à Micheline et Micheline. Ah bah moi j'ai bien dormi, ça fait plaisir. Mais ça va, t'as du coup avec ma grande prêtresse. Le pauvre. Bref. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'on a tout visité, ce tout petit château. Prends les épées là. T'es déjà fait. Merci bien. Ouais, ouais, ouais. Qui peut me stopper? Et si on partait à l'aventure? La 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 la. Je vais sauvegarder. Oh là là, la raie désert. Et un arachnide. Je vais mourir. Hein. J'ai envie de m'enfuir. Hein. Pas s'enfuir. Pardon. Je sens mal cette histoire. Mais on peut le faire. On a soin. Des fois ça brille, des fois ça brille pas. Je sais pas. Bon bah on peut rentrer au château et se soigner.
Hop, level up. Antidote. Elle a appris antidote. J'étais pas prête. Non, là, il y en a 3. Maintenant, vous allez voir, je vais y arriver. Ah là là, elle a un bouclier! On peut pas s'enfuir d'un combat? Ah mon dieu. Pas le choix, hein. Enfin, utiliser l'élixir. Allez, je peux l'avoir. Best combat ever! Admirez le désert là, en arrière-plan. Ah les bâtards. Juste devant la porte du château. Et salut Tengo. Fais pas agresser par des scorpions. Dit arachnide. J'ai pas envie de mourir. Oh là là, j'ai pris 23. Je peux pas vivre à l'extérieur du château. Hein. C'est fou ça. J'espère que tu vas prendre un niveau. 111 points et pas de level. Et elle fait le pas qu'il faut pour survivre. Attends. Meilleur personnage. Le garde à l'entrée. Bon. Oui. Hop. Elle a son lit attitré. Jamais je pars toute seule. Hein. Oui, j'ai vu Nao. C'est cool. Peut-être pas aller au Keketo-esque.
Ah non, il y a une tour là, j'ai pas visité. Non, je veux plus sortir. Attends! Ah, attendez. Parce que j'ai pas été. C'est qui l'architecte de Château Pourri là? Ok. Vous voulez pas m'aider? J'ai bien compris. Et toi là? Ça, mes objets confectionnés sont ici, je renvoie à filer ensuite. Non, je suis pas paumée. Je sais où je suis. Mais je ne sais pas où je dois aller. On dit tous la même chose. Bloque pas ma route! Est-ce qu'il y a une tour de l'autre côté? J'ai pas vu. C'est le plus moderne du monde. Qui c'est ça? C'est Matron. Edgar, un frère jumeau. C'était un si gentil garçon. Voilà, petite histoire. Frère, qu'est-ce que papa je paie? Qu'est-ce que c'est que toutes ces discussions à propos de son successeur? Tu avais, regarde comme ses joues sont creusées. Il a arrêté de manger depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Il était un petit peu bête, son frère. Je... Parti pleurer. Des larmes. Les frères jumeaux de Edgar. Il a changé le trône entre sa propre liberté. Sabin. Ben ça alors. Oh. Ouais, son nom est Sabin, parce que tu l'as accepté. Il ressemblait tellement à son père. Tu t'es sauvé, il était un gentil petit enfant. Je me demande à quoi il ressemble maintenant. Et toi là, il est m'épouser quand je serai plus grand. Oh, c'est génial. La 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 la. L'Empire a écrasé les trois cités du continent austral. Juste une question de temps avant qu'ils viennent ici. D'accord, c'est rassurant. On boit un petit verre d'eau. C'est jeu où tu peux pas t'asseoir où tu veux, hein. Agaçant. Alors, je suppose que maintenant on peut retourner à la salle du trône et qu'il y aura des gens. Qui c'est lui? Le chancelier! Toutes les affaires de succession étaient si répugnantes à sa vie. Le frère du roi, il a fui le château pour toujours. La succession a été décidée avec une pièce de monnaie. Picturesque, face tes mains. Intervenu. Alors, quel est-il de mon château? Il est tout petit. Quelqu'un de l'Empire se trouve voir. Eh oui. Trop bien, FF15. Tu peux t'asseoir. Tiens, moi, Kafka. Kafka.
suite ordre d'empereur. Espèce d'ordre, pourquoi habites-tu mis nulle part? Le boulot à la noix. Et tu stoppes dans mes bottes. J'ai vu ça dans mes bottes. Oui, mais c'est à toi, Glace, messieurs. Mais si, nous avons porté et marché sur nos pieds. Imbécile! Monsieur Kefka? Mais que diable? Hors de mon chemin! Ah là, il a pas eu le temps de dire attends! Oh non, j'ai pas envie. Je suis obligée d'aller le voir. Mais parce que franchement, j'ai pas envie de le voir. Personne n'a envie de le voir. Ni lui parler. Non. Attends! Non. Il va le faire attendre un petit peu. La la la. Non. Ah ah ah. Parlez à eux plutôt. Non, ça va? Je crois qu'on est sur allié. Que faites-vous dans mon domaine? Vous étiez occupé au sud? Cherchez d'autres villes à détruire? C'est à nous de voir. Qu'est-ce qui amène Kefka, humble serviteur d'emprunt? Gestal, en notre modeste présent. Une fille de peu d'importance. Vous avez échappé récemment. Nous avons entendu dire qu'elle aurait trouvé refuge ici. Cela n'a rien à voir avec cette sorcière à propos de laquelle tout le monde chuchote, n'est-ce pas? Mensonge! Elle nous a tout juste volé quelque chose de faible valeur. Est-elle ici? Il est tenace. Vois-tu, il y a plus de filles ici que de grandes sables là-dedans. Je ne peux pas toutes les suivre à la trace. Peu d'importance. Je n'aime vraiment pas être à ta place, si nous découvrons que tu mens. J'espère vraiment que rien n'arrivera dans Jarre Figaro. Ok, temps de s'envoler. Je suis le roi! C'est que... Ouais, Terra. C'est moi! Ouais, et Micheline et Michel. Le reste, on les appelle pas, elles viennent, c'est tout. Ah, mais là, dans sa chambre. Faudrait discuter avec toi, mais chancelier est loin de mettre en place notre stratégie. Il y a des jours où j'ai horreur d'être roi. Si vous voulez m'excuser. Oui. Suis-moi! Un peu un nain, les gars. Un mini désert. C'est où? Je pense que c'est par là avec la porte, elle ouverte. Ouais. On va prendre exactement le même chemin que lui. Je suppose que c'est par ici. Ma chambre. Ah d'accord, je pourrais te parler à gauche. Tu es Locke, n'est-ce pas? Quelqu'un a parlé de toi. C'est vrai que t'es un voleur. Chercheur de trésors, ok? Avant, cette guerre prétend soutenir l'Empire. La vérité est qu'il collabore avec les réverseurs. Une organisation opposée à l'Empire. Je suis sous contact avec ce groupe. C'est pas vrai! Ils t'utilisent! Les choses sont différentes à présent. Je comprends pas, qu'est-ce que je devrais faire? Je peux pas te dire quoi faire. Tu n'as pas à te décider tout de suite. Tu trouveras bientôt ta voie. On peut pas partir solo, ma biche. Il va falloir décider ce que tu veux faire dans ta vie. Hein.
Mais comment saurais-je quelle voie est bonne? La pauvre. C'est la nuit, j'ai mon armure. Qu'est-ce qui... Elle tape à la porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Lolopi, c'est Kefka. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va vite éteindre les flammes. Courez plus vite. Là, je me casse. Soyez prêts! Oui, mon seigneur! T'as changé d'avis? Je suppose que je n'ai pas le choix. Où venez-vous, Gossy? Honteux, car moi, puis suivre et laisser son peuple derrière lui. Absolument délicieux! Sautez! Waouh, trop fin. On a des chocobos du coup. Plongez maintenant. Meilleur château d'univers en vrai. On dirait pas comme ça. Moi, surversion. Surmersion. Il ne peut toucher au peuple. Figaro. Ils sont pas 8 en fait. Quoi? Frappez-le! Ah là là, mais ils courent beaucoup trop vite avec leur petit mecha. Vol! Des outils! C'est pour lui. Je t'explique. Wow. Regarde, c'est bien, j'ai l'air complètement possédé. T'as vu ce que j'ai fait? Ouais, c'est bien, pas à tout. Elle est ahurissante. C'était de la magie. Ma... La M-A-G-I-E. Magie. Ah mais tu te rends compte avec la machine? Non mais attends, c'est pas croyable. Désolé, je sais pas. Je peux faire des tas, mais... Quand même. J'ai jamais vu de magie. Non, on fait de la magie, moi j'aimerais bien faire ça pour faire de la magie, parce que la magie, tout le monde peut pas faire de la magie. Toi tu peux faire de la magie, mais pas nous, c'est la différence. C'est en pratique que tu saches faire de la magie. Ça va, on s'est pas pris 2 ou 3 missiles dans la tête. Là. La bouffe est prête? Dîne quoi ce soir, non? Attertek! Ça a combien de points de vie cette cochonnerie? Voilà, voilà, voilà. Ah.
On en a un en moins. On a gagné 2 potions. Ouais, mais les outils, tu n'utilises qu'une fois. Fils de clochard! Retenez bien cette insulte. Et ils paieront pour cette. On ne saura jamais ce qu'il a dit. C'est super! Qui était ce méchant? J'ai peur. Il y a quelqu'un que tu rencontres. Nous sommes les membres de... des réverseurs. Il me fera toujours bizarre ce mot. Notre mentor, un Balan, aimerait sûrement te rencontrer. La magie va être la clé pour gagner cette guerre. Magie? Terra, tu as du pouvoir magique. Cette Elspur semble réagir. Peut-être un lien. Pas ça du tout, ça semble juste naturel que je puisse utiliser ce pouvoir. Mais aucun humain n'est né avec le pouvoir sans l'avoir. Je suis pas humaine. Voilà, voilà. Des réverseurs. Je m'excuse, que pourrais-je faire? Je suis sûr que l'Empire va partir à ta poursuite. Ça mettra quand même sur toi, le monde est fichu. Terra, tu veux comprendre de pour pouvoir, pas vrai? Alors, je pense que nous devons entretenir avec Banum. S'il te plaît. Ok, au sud, il y a une grotte qui mène à Figaro au sud. Au sud. Ah! Ouais. On va bientôt vomir. On marche sur quoi là? Ah, c'est là. Attendez! Ah non, Chocobo est parti! Il est temps de sauver.